Allô, SF. Bonjour à tous, c'est Hulk et je suis en compagnie de Seri. Nous sommes légèrement en retard, ne vous inquiétez pas. On fera en sorte d'être là à l'heure pour commenter ce Warthog Run. Hop, et voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo du Warthog Run. Effectivement, on a eu un petit contretemps, mais finalement, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, troisième vidéo, ça veut dire que c'est la première course de la Pool 2. Et du coup, des nouveaux pilotes, des nouvelles équipes et pas mal d'ambiance. Tout est nouveau, le parcours, les pilotes, tout. C'est vrai. Et du coup, on va commencer par une petite présentation des pilotes. Alors, nous commençons par l'équipe rouge, c'est les Rigodrolls composés de Eternal TV et Blackhead. Ensuite, nous avons Infinite avec Maypeak et Meletix. Le maestro, les non, sac pardon, à... pas du tout. Ah oui, c'est vrai, les fameux, le fameux maestro du gravier. En noir, nous avons les sacs à merde, attention. Pas les sacs à merde comme le pensait, c'est en un seul mot. Les sacs à merde composés de Power et de Buck. Oui, et, absolument si pas prêté à confusion avec les autres sacs à merde, hein, pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, la deuxième partie des pilotes est composée des Golden Wings. Les Golden Wings composés de Seri Elson, c'est-à-dire moi-même, et de Didacte 219, ou Didou pour les intimes. Ensuite, Golf Lion 68 et Reaper 68 en jaune, qui représentent la Fafa 68, hein, la fameuse Fafa. Ah, la Fafa. Voilà, représente. Et Grunstow et Draco, qui en violet, représenteront The Inopérante Duo. C'est vrai, du coup, on a des belles paires hein, de pilotes à voir ce qu'ils ont dans le vide. Et on rappelle, alors petite nuance hein, pour le staff, c'est on rappelle évidemment que nous courons avec eux, mais nous ne remportons pas de points. Et pour Logan 9, qui concourait pendant la poule 1 parce qu'un membre était tout seul, cette fois-ci, tout le monde est au complet. Du coup, elle est comme nous, elle fait la voiture de sécurité ou la voiture balai, ça dépend la course. C'est exactement ça, hein, c'est cette fameuse voiture de sécurité, pas si sécuritaire que ça. Hein, parce qu'on est quand même dans le Warthog Run, faut quand même pas déconner. Et Hog Infinity et Red Linkies qui sont effectivement là pour faire chier. Exactement, hein, on est là effectivement pour vous mettre des petites pichenettes dans le fion et je sais très bien comment ça s'est passé. Et du coup, on va pouvoir passer à la présentation de la carte. Du coup, tout de suite après le départ, nous avons le droit à un petit saut on fire. C'est rien de le dire. Et on a vu, enfin vous allez voir hein, que il est assez quand même tricky. Juste après c'est un peu alors l'autoroute du bonheur, pas vraiment, puisque c'est une succession de plaques enchevêtrées pour arriver sur un virage assez simple enneigé. Attention, deuxième difficulté au bout de ce virage, c'est les fameux escaliers. Ah, les fameux escaliers hein, qui vont perturber plus d'un. C'est vrai, c'est vrai rien que... de dire. Ça s'est un peu poussé, juste après les escaliers, petite descente, et on arrive sur ce qu'on pourrait appeler la ravine, finalement. La petite margoulinerie, voilà. C'est ça. Mais oui, effectivement, on a une succession de petits sauts sur des rochers, et assez compliqué à prendre proprement, sachant qu'ensuite, on a un pilier en plein milieu. Donc, les pilotes se le prendront assez facilement. Oui, alors du coup, c'est vrai qu'il faut quand même noter que ça paraît simple comme saut, mais pas tellement. Nous verrons ça. Ah non. Pas vraiment. Ensuite, une partie un peu plus simple sur le circuit où c'est des grandes routes en fait, des grandes routes forerunner avec des virages à angle. Ah, les fameux angles. Oui. Nous arrivons sur une autre partie enneigée avec cette fois-ci un magnifique, je sais pas comment appeler ça, des arches, des demi-cercles lumineux. voilà, c'est des formes de type arrondi avec des lumières. C'est ça.
Et ensuite, dernière partie de cette course, c'est de nouveau une route Forerunner avec une section d'angle. Attention, le virage, enfin comment dire, la piste est assez étroite et du coup, quand il faut tourner assez fort, on a tendance à se pousser facilement. Oui, oui, il faut quand même s'imaginer que certes la piste est peut-être un peu large, mais pas trop, mais faut aussi pas oublier qu'on est 12. Ah, ça va casser, hein. C'est sûr, vrai, c'est il va y avoir des trucs. Et du coup, dernière difficulté de cette course, c'est la petite descente juste avant la ligne d'arrivée en bloc de neige. Alors, on sait qu'il faut sauter de la route qui est en construction, et on sait que l'amorti sur cette petite descente en neige nous réserve des beaux dépassements. C'est vrai, effectivement, aucune notion de gravité là-dedans, c'est juste que l'atterrissage en lui-même a posé quelques soucis et surprises à nos pilotes. Du coup, on remerciera le droit de rager et Sam's 033 pour cette magnifique map, largement inspirée du Warthog Run hein, de Halo 3. Et du coup, double hommage. Je pense que les connaisseurs auront reconnu tout c'est de ça. Suite l'influence. C'est un magnifique double hommage hein, entre le nom de la compétition et cette fin de niveau splendide de Halo 3. Et sur ce, on va pouvoir attaquer le départ. Et tout de suite le départ. Et ils sont partis pour cette première course de la poule numéro 2. Et c'est Adelie qui s'est lancé en tête juste devant. Et ben, il y a trop de monde. Clairement, trop de monde. C'est le bon départ hein, de la bonne grosse poule. Hein, ouais. On les connaît bien. Et juste derrière, on voit un membre Rigaudrol. Comment dire, au coude à coude avec un membre alors, de l'équipe jaune. Ouais, ça s'envole ça, ouais. Là pour un Golden Wings là. Il me semble que c'est moi d'ailleurs. Voilà, oui. Pas, je ne sais plus. Un petit tête à queue au fond là, effectivement. Tandis que devant on a l'équipe violette, c'est le duo inopérant à la lutte. Et effectivement, là c'est effectivement le premier tour. On va chercher sa place, avoir un bon rythme et à dépasser les autres sereinement sans se planter. Parce que si tu te plantes au premier tour quand tout le monde est groupé, c'est fini. Ah ouais, c'est exactement ça. Alors le replay du coup de ces grosses bousculades ouais. Avec Eternal. Ce sont là les fameux escaliers. Oh là, il y a un Golden Wing qui se suicide sur lui, là, sur la droite. C'était la tentative de dive bomb. C'est ça. Là, voilà, les sauts, il faut piler, éviter de se retourner. Ça se pousse sur la gauche. Bah c'est moi là qui vient lui mettre une petite pichenette et il se retourne. Ouais, le moult tête à queue. Et c'est le vomito. Ouais, et c'est Didou hein, du coup dans la Golden Wings qui vient gêner Eternal sur cette sortie et qui se manger le poteau comme une grosse dommage. Ah bah là je pense que le tête à queue, enfin le roulé-boulet, il a vu flou et du coup il a pas vu le pilier en plein milieu de la piste et du coup il a perdu tellement de place hein, parce qu'il est descendu à la 12ème place il me semble. Ouais en effet, Redlink hein, qui continue son ascension au sommet. Attention derrière, ça suit très près hein, de la part de Golf Lyon 68. Petite anecdote, hein, je me souviens que quand on était sur le soirée communautaire, j'avais beaucoup de mal avec son pseudo Golf Lyon parce que quelle idée de mettre un F juste après un Lyon. C'est vrai, c'est pas terrible. Alors Gonsto hein, de l'équipe inopérante duo qui là du coup est aux fesses du quatrième. Oui, alors là c'est je crois que c'est un membre de l'équipe bleue, donc quatrième c'est peut-être moi. Oui c'est ça effectivement, l'équipe bleue qui vient dépasser un membre des sacs à merde. Tout à fait. Alors je crois que c'est Power, hein. S'il y a les sacs à merde, celui qui est devant c'est Power, celui qui est derrière c'est Buck. C'est ça, et donc ça doit être peut-être Reaper 68 en deuxième là actuellement. Non c'est Golfion. Non c'est toujours Golfion effectivement. Ouais. Ah il est là Reaper 68. Ah ça tente l'assassinat du coup, et Menetix qui se retourne et qui va pas du tout réussir à reprendre le fil. Il a poussé. Et qui va tomber comme un gros caca dans c'est le fini. Feu. C'est fini, Menetix Bash, le Menetix pardon, qui s'est fait suicider par ses chers adversaires et qui finit coincé dans le trou. Heureusement, hein, la voiture de sécurité viendra le sauver et continuera sa course, mais loin derrière. Malheureusement pour Menetix, hein, oui. Décidément, hein, entre le feu et les graviers. Ah bah là, il a pas mal. C'est le lot. C'est le lot de Menetix. C'est l'avatar, hein, le maître des éléments. Tandis que Psycho Hyper Maybeak essaye de remonter sur Black Earth, mais malheureusement elle se retourne. On apprécie hein, la physique de Halo 5 et je crois que c'est Didact qui est actuellement coincé sur les escaliers. C'est effectivement Didact qui s'est coincé lui aussi dans les escaliers et qui vient tomber dans le puits de l'oubli. C'est ça.
Ah, c'est finito, là, juste derrière en rouge, c'est Black Earth hein, qui revient très très fort. Et je crois que c'est un Golden Wing qui a passé tout ce monde. Oui, oui, tout à fait, c'était moi de mon bon souvenir. D'accord. Attention, là, on voit les deux HSF juste derrière Golfion qui fait une très belle course. Attention, en noir, c'est Powerbell qui est un peu dans un no man's land, tandis que derrière, c'est toujours la baston, et effectivement, on suit à POV. Ouais, effectivement, c'était compliqué hein, de pouvoir dépasser dans ces fameux couloirs, même avec une trajectoire optimale et des doux liftos hyper appliqués. Voilà, on peut voir un Didou qui essaye de faire un intérieur par dessus la troisième corde et ça ne marche pas du tout, bien évidemment. C'est ça, mais du coup, t'as malheureusement perdu une place. Enfin, je veux dire, Didac, t'as malheureusement perdu une place et ça se bastonne, hein, parce que on a quand même 5 pilotes ensemble, les deux membres de la Golden Wings. On a Maypeak, Black Earth et devant, c'est Draco 720, il me semble, qui mène la danse actuellement. Sur Maypeak là qui prend traité, alors j'ai qui se fait dépasser par les Golden Wings. On voit Black Earth qui revient très fort, tandis que c'est toi qui a bouffé un pilier là. Ouais, ouais, c'est Didac qui ne sait pas se décaler dans un intérieur de virage. Hein, Attention, effectivement. Black Earth là très très fort. Attention, ailleurs. La fameuse descente hein, enneigée assez piégeuse. Didacte qui ressort très très fort. Elle est pas évidente à prendre celle-là parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de dénivelé et pas mal de boss. Et donc avoir une descente parfaite c'est extrêmement compliqué. C'est ça, on peut glisser et facilement. Pendant ce temps-là, du coup, c'est toujours Golfion qui est toujours aux fesses de Red Link, il me semble, ou peut-être aux tiennes. C'est ça, effectivement. C'est effectivement la POV met les choses au clair. Je pense que Golfion a dû faire une petite erreur, ce qui m'a permis de le repasser. Mais c'est pas fini, hein, parce qu'il est clairement juste derrière moi. Il faut savoir que j'avais un rythme assez dégueulasse hein, sur cette piste. C'est de toute manière assez compliqué, je pense, d'avoir un rythme très propre sur cette piste. Ouais, il est à Red, juste derrière moi. Ouais ouais, il y a de toute manière la course en elle-même ne permet pas le zéro erreur, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Et donc c'est moi là qui me bataille du coup encore avec Black Earth là sur la fin de peloton. Et là c'est Maypeak qui vient se planter je crois dans un mur. C'est ça, elle était juste derrière vous mais là elle s'est un peu chiée dessus et du coup a fait un petit bisou au mur. Ce qui lui fera perdre malheureusement du temps. Tandis qu'on a vu un petit bonhomme en vert sauter, c'est Logan 9 hein, qui fait la voiture de sécurité qui, pour éviter que les pilotes se trompent. Parce qu'effectivement on avait la grille de départ juste à côté. Attention là on vient de voir Power faire un petit tête à queue en haut mais finalement il est reparti sans trop de dommages mais avec une réaccélération un peu douloureuse et Redline qui vient lui susurrer littéralement aux fesses. C'est ça. Et alors on a vu Eternal qui est en train de faire une très belle remontée mais là c'est son coéquipier Black Earth qui arrive un peu à vous distancer finalement. Pas du tout, Mais du coup, pas pour longtemps, effectivement, mine de rien, il y a des prises de virage qui ont été faites. Attention Didacte, la magnifique intérieure, il est juste derrière Black Earth, il attend vraiment l'erreur. Là, il se décale légèrement sur la gauche, pas gêné, de toute façon, il est aussi derrière. On voit que c'est une mauvaise idée de suivre, parce que voilà, quand on est juste derrière, on monte sur son coéquipier, et devant, c'est Black Earth qui se chie littéralement dessus, et qui va perdre tellement de temps et repartir loin derrière vous. En effet, j'ai eu la présence d'esprit de peut-être monter sur mon coéquipier, mais de refréner tout de suite après pour le laisser entre guillemets en paix et moi aussi hein, actuellement. Mémétix hein, au fond du trou à sa 14e place. Il est en promenade pour lui. Ah, c'est la promenade hein, pour Mémétix parce que c'est compliqué. Attention, l'autoroute Forerunner, ça se bouscule un peu. Hein, ce pilier en extérieur, là, c'est compliqué. C'est Eternal, je crois, qui se bat avec Power et Red Link. Je pense, hein, Eternal qui doit avoir. Du coup, il était pas devant, soit il a pris beaucoup d'avance, soit il a un tour de retard. Oui, attention. Je ne sais pas du tout. Ouais, là, on vient de voir le dépassement de Golfion hein, sur une erreur de ma part et on est juste avant la ligne d'arrivée puisqu'on est au 4e tour. Et attention. Ah, c'est tendu. Et c'est fait. Golfion qui remportera cette première course de la poule 2. Très très belle course à lui, hein. Il a l'air vraiment costaud. Ouais. Très solide effectivement Golfion sur cette course, un magnifique intérieur sur ta personne en dernier virage impeccable et puis la descente bien négociée hein, du coup qui vient lui apporter la victoire. C'est Red Link qui se pète la gueule, qui s'est littéralement pété la tronche dans le dernier virage. Powerbell qui vient prendre la 4e place juste derrière Grunstow et Eternal qui le suit de près. Oh là, le suicide, les points de style, c'est pour les points de style hein, de Red Link juste derrière Reaper. Devant Didacte qui a réussi à dépasser Black. Série, où es-tu, série? Ça y est, il arrive. Hop là, attention, t'as eu chaud là. T'as failli te faire dépasser par Draco 720. Et du coup, tu finis à 10ème place. Juste devant Draco, du coup, 11ème. Et c'est Mémétix. Non, pas du tout. Là, c'est Maypeak, pas encore. Parce que je voyais un blanc seul. Mais non, c'est Maypeak. Du coup, là, on voit vraiment les pilotes qui ont galéré le plus sur ce circuit. Maypeak qui finit 12ème.
Buck de l'équipe, les sacs à mer de fini 13ème, et là c'est Menetix toujours en promenade, hein, il est parti faire ses courses. Là c'était le McDrive, le Leclerc, c'est ça, le il ramène de la bouffe. Il est parti chercher pour un mois de ravitaillement. C'est ça, tandis qu'on voit les pilotes attendre sur la ligne d'arrivée sagement, et du coup, quelle course finalement assez mouvementée avec très peu de temps mort. Il faut croire que finalement c'est ce circuit qui était assez piégeux. Ouais, ouais, hein, vraiment, hein, le tracé était extrêmement dangereux, que ça soit sur les dénivelés, les courses, les bosses et même les trajectoires, ouais. Parce que les trajectoires n'ont jamais été parfaites pour qui que ce soit. C'est vrai. Vraiment, tracé très difficile et difficile à maîtriser. Et là, on a vu un rythme très fort de Golf Lyon 68 qui rapporte beaucoup de points à son équipe, et Reaper 68 n'est pas très loin. Du coup, on le voit que l'écurie arrive première. Comment dire, oui. Juste devant Inoperandio qui vient de prendre la deuxième et neuvième place. Et oui, effectivement, la FAF à 68, hein, qui se met très très bien par rapport à la concurrence. Hein, oui. Inoperandio qui leur fait suite avec 10 points de retard et les Rigaudrol juste derrière avec 3 points de retard. Oui. En tout cas, pour ces 3 écuries, ça semble bien parti pour la qualification. C'est vrai, parce qu'on rappelle que les 3 premières écuries se qualifieront pour la finale que vous verrez du coup pour la dernière vidéo, hein, de la 5e semaine du Wartogone. Un dernier mot pour la fin, c'est... Eh bien, quelle course, mes amis, quelle course! C'est vrai. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette course jusqu'au bout en notre compagnie. Le Wartogone, c'est pas fini, ça dure encore 2 semaines chaque samedi. C'était Hog, accompagné de Série. À bientôt sur la piste! Bonsoir à tous!